Bonjour à vous, amis Balance et Ascendant Balance. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo voir les énergies de façon générale pour la semaine du 5 au 11 avril. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Si vous souhaitez une guidance ou une consultation, vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte Facebook ainsi que mon mail. Et maintenant, découvrons ce que nous avons pour vous. On nous parle de commerce. On nous parle de nuit. De quoi nous parle-t-on pour vous pour cette semaine du 5 au 11 avril? Pour vous, Balance, Ascendant Balance. Dans un premier temps, il est possible que vous allez on va vous proposer peut-être votre boîte d'intérim ou alors vous allez répondre à une offre d'emploi par rapport peut-être à un inventaire. Peut-être qu'il y aura un inventaire qui va être fait et que vous allez répondre. Après, répondre à cette annonce, c'est pas forcément que l'inventaire sera du 5 au 11 avril, parce que bien souvent, les inventaires, comme vous savez, c'est à la fin du mois. Mais quand on dit qu'il y aura besoin, on parle d'été, il y aura peut-être besoin de, je sais pas, mettre un pas, de fait de faire venir du monde pour faire un inventaire, mais un peu plus tôt que prévu. Vous voyez, profiter d'une période où le magasin, peut-être que justement, ce sera une période où les hypermarchés seront en pénurie de beaucoup de choses, hein, peut-être, et que les enseignes veulent en profiter à ce moment-là, sachant qu'en plus, c'est pas facile de faire venir du monde. Et étant donné que là, beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, par exemple, seront disponibles, eh bien, de les faire venir pour faire un inventaire qui peut être de nuit ou alors que ça commence de bonne heure le matin, pour justement après voir, oui, faire un peu comme un casting à l'avance, c'est-à-dire que durant cet inventaire, ça permettra à l'employeur de voir les personnes les plus efficaces et de pouvoir leur proposer par la suite de les rappeler pour faire des remplacements durant l'été. Et bien sûr, l'employeur va demander, je pense, au préalable à toutes ces personnes, enfin, soit au préalable, soit à l'avance, soit lorsque la mission sera finie, de proposer que si mettons est-ce qu'ils seraient intéressés eux de travailler l'été si mettons ils étaient si mettons l'employeur les appelait. Et comme ça permettra justement à l'employeur de ne pas appeler des personnes qui finalement ne sont pas intéressées. Et d'appeler uniquement les personnes qui seront intéressées et disponibles durant cet été. Mais là, quand on dit qu'il va y avoir un inventaire qui va se faire avant l'inventaire prévu, avant un certain inventaire prévu, un inventaire de milieu d'année, parce que souvent les inventaires généraux, c'est à la fin de l'année, mais là ce serait avant. Voyez comme un genre de test, un test avant l'heure. Alors, de façon globale, pour vous, Balance, Ascendant Balance, eh bien, durant cet été, vous allez devoir prendre une décision qui ne sera pas facile, une décision qui va rendre malheureuse ou malheureux un homme ou une femme, parce que vous allez avoir un choix sentimental à faire. Ce sera le moment pour vous de vous décider, de prendre une décision concernant, eh bien, votre avenir,
pas forcément votre avenir sentimental, mais également votre avenir professionnel. Parce que peut-être que dans les deux personnes, il y en a une qui a de l'ambition pour vous, qui ne pense pas uniquement qu'à elle, mais qui pense à vous, qui pense à vous deux. Et que il y a une des deux personnes à laquelle, eh bien, tous les deux, vous pensez à la même chose. Ou tous les deux, vous pensez, eh bien, vous êtes à la même longueur d'onde. Après, il y a cette notion de relation en rapport avec le commerce. Mais avec quelqu'un qui travaille dans un commerce, employé de commerce, ou responsable d'un magasin, un ou une, peu importe. Et c'est le jour et la nuit avec cette personne. C'est-à-dire que un jour, alors, vous l'intéressez, un jour, vous ne l'intéressez pas. Vous voyez, un jour sur deux, et que du coup, avec cette personne, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous devez, on va dire, vous adapter. Et du coup, forcément, il y a cette notion où ça vous perturbe. Que un coup, eh bien, elle est chaleureuse avec vous. Elle est, on va dire, il y a cette notion d'extrême. C'est-à-dire qu'un coup, cette personne va vous montrer que ce désir, cette envie, ce désir de vous voir, j'ai envie de te voir, j'aimerais être près de toi, j'aimerais être dans tes bras, j'aimerais te prendre dans mes bras, voilà, j'aimerais qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et une autre fois, eh bien, cette personne va être distante dans les messages. Moi, vous voyez, il y a ce côté bipolarité par rapport à cette personne. Et ce que je ressens, c'est que par rapport à ce côté bipolaire, eh bien, voilà, il y a ce côté bipolarité que vous allez devoir ou que vous aurez du mal à vous adapter. Mais ça, au bout d'un moment, ça va vous agacer. Et que ça va vous agacer et que à un moment donné, eh bien, vous allez prendre la décision de mettre un terme à cette relation. Parce que, en plus de ça, eh bien, il y a une autre personne qui est intéressée par vous. Mais étant donné que l'autre personne est discrète, voire peut-être trop discrète pour vous, mais trop discrète, mais sincère avec vous. Et du coup, vous allez dire, ben, finalement, la personne qui me correspond, finalement, c'est pas elle, c'est celle avec qui, c'est celle qui se fait discrète, qui me montre peu d'intérêt. Après, ça ne veut pas dire que l'autre personne qui est discrète, eh bien, s'intéresse moins à vous que l'autre personne. C'est juste qu'il n'y a pas les mêmes buts. Parce qu'il y en a une, une personne, un homme ou une femme, qui a des intérêts à court terme, sur le moment, et l'autre personne qui montre peu d'intérêt, mais elle montre peu d'intérêt de visu, en face à face, ou dans ses paroles, dans son comportement, mais qui ressent beaucoup d'intérêt pour vous sur du long terme. Et également, cette personne vous montre peu d'intérêt, comme ça, au quotidien, mais en elle, elle ressent tellement de choses, tellement d'amour pour vous, mais pour le moment, elle le garde. Elle garde tout ça pour elle, pour ne pas se sentir blessée. Pour l'instant, elle se protège, elle se met une carapace, un bouclier. Parce qu'elle ne veut pas se dévoiler totalement ses sentiments pour vous. Parce qu'elle se dit, si je dévoile totalement mes sentiments, sachant que pour l'instant, c'est plutôt une autre personne qui l'intéresse. Parce qu'elle est plus démonstrative, etc. Et que si moi, je lui démontre tous mes sentiments, sachant la sensibilité que j'ai, oui, parce que peut-être c'est que cette personne a une sensibilité, comme on dit, à fleur de peau, et peut-être hypersensible. Et que ça pourrait sortir dévasté. Vous voyez, là on parle avec le monde effondré. C'est que elle pourrait avoir l'impression que le monde s'effondre. Parce que déjà qu'elle est le peu qu'elle vous a dévoilé sur elle, sur ses sentiments envers vous, sur son intérêt envers vous, eh bien pour elle déjà c'est un grand pas, pour elle déjà c'est beaucoup. Parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude comme ça de se dévoiler. Et du coup, on va dire que
elle, voilà, elle a fait ce qu'elle, elle fait ce qu'elle peut. Elle veut pas en faire plus, quand dit que de sa part, eh bien, ne vous attendez pas à en avoir davantage au niveau verbal, au niveau peut-être comportement, mais on va dire que ses preuves d'amour, elle les démontrera, mais au quotidien, à sa façon. Et que ce sera à vous, justement, de prendre en compte, de remarquer au quotidien ses intentions, ses preuves, vous voyez, qui seront des preuves d'amour. C'est comme si que tous les jours, elle ne va pas forcément vous dire je t'aime tous les jours, mais tous les jours, elle va vous démontrer son amour à sa façon. Et c'est ça qui est beau, justement, c'est que elle aura sa façon à elle de vous montrer, de vous démontrer son amour, que de vous dire je t'aime du matin au soir et d'être, mettons, câline du matin au soir. Parce que au final, vous vous attendez peut-être à des preuves d'amour d'une certaine façon, mais ce qui va être merveilleux, c'est que cette personne va vous montrer des preuves d'amour, mais autrement, à sa façon et de façon surprenante. Voilà pour vous, ami Balance, ascendant Balance. Merci pour votre présence. Passez une bonne journée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.